Salut tout le monde, c'est Superflo, comment vous allez? Moi ça va super bien. On se retrouve sur GTA en ligne pour la nouvelle activité qui est sortie, passe d'armes. Donc là c'est le 2. Donc j'ai pas fait encore les autres, c'est la première fois que je la teste. Donc on va voir à quoi ressemble et si ça vaut le coup ou pas de la faire. Donc là il y a pas mal de personnes, donc on attend un peu. Voilà, ça va charger je pense. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire, n'oubliez pas de laisser un petit j'aime. De partager la vidéo et de vous abonner si c'est pas déjà fait, bien sûr. Ok, d'accord, il y a du monde qui part. On va essayer d'inviter du monde. Non, moi, s'il lance directement. Non, mais c'est bon, il est lancé. Ah non, même pas. Il reste une place. C'est à 12. De toute façon, on peut jouer de 4 à 12 joueurs, donc ça va. On est bien. Là, il va attendre quand même. Mais bon, tout le monde part, donc il a dû lancer directement. On y a 10, il manque 2 personnes. Voilà, tout le monde part. Voilà, bah oui. Il a raison de lancer. Sinon, on va être embêté à chaque fois. Donc, ça fait 5-5, c'est bon. Je sais pas comment ça marche. Donc, on va voir un peu. En plus, c'est en double RP XP, XP j'ai vu. Donc, ça aide vraiment pas mal. Pour gagner un peu de thunes. Et de level pour les personnes. Bien sûr, j'ai un nouveau personnage. J'en ai un autre. Mais voilà, la level 33. Sinon j'ai mon deuxième personnage. Je sais pas si ça a bugué, je pense que oui. Ah non, c'est bon. Donc nous on est dans la team côté violet et eux orange. Donc ça on a... Regarde. Ah, ils sont moins du coup. Ah, on peut rejoindre leur équipe. Et ils viennent par là parce qu'ils savent qu'on est plus nombreux. C'est dommage un peu parce qu'on peut rejoindre les équipes. Moi je vais rester là. On est dans les commandos. Et c'est les tiers d'élite. Ils sont moins du coup, ils sont 4. Et du coup, il y aura trop de joueurs à ce côté-là, je pense. Ah, non, ils sont partis sur le côté. Non, même pas. Ah, là, il y a trop de joueurs. Si personne bouge. Ah, bah, ça l'a fait. Je pense que ça a trié. Bon, allez, on va aller voir à quoi ça ressemble cette activité-là. Je la connais pas du tout. Face à l'arme. Déjà, on n'a pas d'armes là, je pense pas. Ah, si, on a des armes. D'accord. Ah, on a la... Alors, éliminer les autres joueurs. Par contre, je sais plus c'est quoi pour courir. Ah, là, c'est ça. Ah, c'est la nouvelle. Oh, c'est la nouvelle. C'est l'arme qu'on a dans. Ah, oui, merde. D'accord, je savais pas ça s'est tiré comme ça en fait. C'est pas moi qui ai tiré, mais bon. Je pense pas que ça a marché de loin. Donc, comme vous avez vu, on a une petite. Le petit truc qui se remplit en bas à droite. C'est qu'on fait plus de. L'équipe qui fait plus de kills, je crois, l'arme a changé après. Si j'ai bien compris un peu, j'ai lu vite fait sur Facebook. C'était marqué. Par contre, c'est un peu long à recharger, comme vous le voyez. La voiture, la voiture, la voiture. Voilà. On change d'arme, donc voilà, nous on a changé d'arme, eux pour l'instant ils restent à la même arme. Ah, je me rappelle plus trop les touches. Donc je vais pas rester campé non plus, je vais bouger. En fait c'est l'équipe qui va plus vite que les autres qui changent d'arme. Donc si on a l'avantage on rechangera d'arme après. Ça peut être vraiment cool parce qu'on change du coup. Donc on est tranquille. Lui il a pas compris. Du coup ils ont la même arme maintenant, c'est plus facile. En gros il faut venir les chercher, faut aller les chercher, c'est mieux. Je pensais que ouais, il va arriver derrière tous les coups. Ah c'est pourri comme arme. Ah non mais c'est pourri ça. Tu veux faire quoi avec ce fusil là? C'est vraiment stylé et je vous conseille de la faire si vous le si vous l'avez pas encore fait. Par contre je sais pas si elle y est sur les anciennes consoles PS3 et Xbox 360. Je peux pas vous dire les amis. Parce que je sais il y a beaucoup de personnes qui vont me demander. L'axe de temps qui recharge en fait. Ah putain il veut pas sauter. Ah là c'est croix en fait pour sauter, je confonds toujours. Ah bien joué l'outil, t'arrives derrière.
Ah, on en perd un peu du temps là. Ils sont en avance. Ils vont changer d'arme. Ah, c'est pas vraiment facile, elle est pas vraiment efficace quand même. Ah, ils ont un snipe. Du coup, on passe au snipe après. Oh putain. Allez, ils vont faire des kills. Ça va faire mal là. Ouais, je connaissais pas du tout cet endroit là, ça me dit rien du tout. C'est vraiment stylé, la petite piscine là. Le mec en fait, il est là juste pour se baigner. Vas-y, au calme. Mais change ton arme toi. Ah, voilà, enfin. Hop là. On revient devant un peu. Pas grand chose, mais bon. C'est déjà pas mal. Je sais pas si ça marche si on donne un coup dans la de tête, un coup dans la tête à la personne. Ah ouais, merde, j'ai pas vu qu'il était là. Hop là, on reprend l'avantage. Pas grand chose en fait, ça. Ça se joue peu. Hop là, on en rechange d'arme. Ah là, on est encore en avance sur eux, c'est bien. On a les pompes, donc ça, on se débrouille pas mal. Oh, on a les pompes américains. Non, mais c'est abusé. La violence, oui. C'est magnifique. Ah, tu m'étonnes, vainqueur. Là, c'est en plusieurs étapes. Hein. C'est vraiment bien fait, mais par contre, au point américain, tu veux faire quoi? Oh, j'en ai fait 6. On a égalité avec le deuxième. Ah, ça va, on gagne pas mal. Ah, ça va être bon. À la fin, on va avoir un gros billet. Si on gagne, si on est vraiment en avantage sur eux, ça va être un gros billet. Ça, c'est sûr, mais bon. Ouais, il faut voir. Est-ce qu'ils nous remettent toujours les mêmes armes ou ça change? Après, je sais pas du tout. Après, c'est à voir c'est, comment c'est, si c'est aléatoire ou pas. Mais c'est vraiment pas mal. Puis ça va, là, ils ont rajouté des choses pour se planquer, de la paille ou les trucs comme ça, donc on est tranquille. Mange 2. Passe d'armes. Alors là, on va commencer avec quoi? Ah, on commence les mêmes. Oh là là. Ah, du coup, après, on aura le fusil un peu bizarre, la mitraillette et le fusil bizarre. Faire gaffe parce que là, ça va taper. Oh, la chance que je viens de voir. Ça fait m'exploser dans la tronche. Je suis obligé de sauter du coup. Par contre, ils sont un peu en avance. Oh non, bien joué. Je l'avais en fait. Je l'avais dans le champ et en fait, je voulais le tuer. J'ai pas pu. Et je crois que ça doit s'arrêter jusqu'à point américain. C'est maximum, je pense. On peut pas avoir plus d'armes. Après, ça dépend les maps. Je suppose. Mais là, ça doit être vraiment au niveau du point américain. Ah, c'est bien, eux, comme ça, ils vont changer d'arme après, donc nous, on est bien. Ah non, putain, je me suis loupé. Non, remonte. Oui, sur les genoux. C'est dommage que l'arme là on l'a pas en fait sur GTA. Hop, j'ai eu. Hop, nous on change d'arme. Putain, je sais plus comment on fait pour descendre là, c'est ça. Je vais pas rester au même endroit sinon on va dire que je crampe. On a de la chance déjà, on a la carabine, la mitraillette comparée à eux. La mitraillette lourde. De combat plutôt. Quoi, je l'ai pas tué. Mais vas-y, arrête. J'étais en train de tuer le mec. Je l'avais tiré dessus, à la base, il est mort. Manque de bol, il est pas mort. Ah, puis ils ont la mitraille. De toute façon, on avance sur eux un peu. Donc en fait, il faut que la barre se remplit à droite pour l'équipe gagne et qu'on change d'arme en même temps. Ah, j'allais dire, s'il meurt pas avec ça, je comprends rien. En plus, j'ai plus de vie. Donc il n'y a rien pour récupérer la vie en plus, donc c'est un peu merdique. Voilà, on rechange d'arme en plus. Donc on a encore l'avantage sur eux. Ouais, c'était sûr. Juste une balle, il me la mettait. J'ai plus de balles, de toute façon.
Ah, c'est dommage, ils ont mis des voitures, on peut pas les prendre. Je trouve ça vraiment nouilloui. Bon, là, j'ai envie d'avis, on est d'accord. Quoi, il est pas mort? Oh non, tu me l'as tué à la place, et il était à moi. Du coup, j'ai fait moins de kills que tout à l'heure. Parce qu'il me l'a volé. À la base, il était à moi. Du coup, on va se retrouver au fusil à lunettes. Ils sont tous au même endroit, les gars. J'imagine s'ils sont dedans. Ah, ils vont tout faire mal, pardon. Bah non, ça c'est pas, genre. Le mec, il est là et tout, il te met une balle, tu meurs direct. Bah c'est bon, de toute façon, on a le fusil. Ça dépend où on apparaît. Ah là, on apparaît là, donc c'est pas intéressant. Ah bah, ils ont le fusil aussi. Oh non, ah purée, je l'avais. L'autre qui arrive derrière, regardez, regardez, le fourre. Je le voyais derrière arriver. Comme si je savais pas que l'autre il allait arriver derrière. En plus, après, c'est les ponts américains, donc c'est super bon ça. Ah non, le pompe. C'est encore mieux ça. Par contre, je peux pas ressortir, les gars. Ah. Si, je peux toujours. Hop là, à deux. Et après, c'est le pompe. Hop là, point américain, c'est évident. Voilà, c'est pareil, ça va faire mal. La petite chose là, elle va se remplir. Voilà, je vous ai dit, ça allait vite. Ouais, c'est pas mal, mais par contre, c'est un peu embêtant. On a toujours les mêmes armes, à la force, donc c'est en 4 manches, je pense. On gagne, ouais, voilà, pas mal de sous. Donc à la fin, ça va être un gros tableau. On en avance sur eux. Mais le souci, c'est que. Le souci, c'est que c'est dommage parce que. Oh, j'en ai tué encore 6. C'est dommage qu'on garde toujours les mêmes armes. Les deux premières, ça va encore, ça passe. Le troisième, le pompe, ça va. Et après, le plus embêtant, c'est le fusil de. Merde, comment ça s'appelle? De l'armée, là, je sais pas quoi, on charge, là, avec un seul coup, là. C'est le plus embêtant. Après, je pense que sur les autres maps, après, ça change. Je pense qu'il y aura peut-être plus d'armes, lance-roquettes, lance-grenades, minigun. C'est plus facile. Mais là, si on est toujours les mêmes, c'est chiant. Oh, magnifique! Recharge. Le petit passe en même temps. Le petit passe en même temps, je l'ai explosé. Oh, il a voulu passer. Le mieux, c'est de prendre la hauteur. Hop. Ce que je disais, c'est mieux, c'est de prendre la hauteur. Hop, toi, tu voles. Elle était belle, celle-là. Ah, à côté. Hop là, on rechange d'un. Ah, je pensais qu'elle allait faire la roulade. Elle était mon gros, elle l'a pas fait. Et non, c'est pas ça que je voulais faire. Ouais, ça a explosé. Oh, ils ont toujours les mêmes armes, donc je pense qu'ils en font un peu exprès. Bah, non, mais c'était sûr. C'était obligé, en fait, de me tuer avec ça parce qu'elle était mon. Lourde la mitraillette à tirer. Que eux ils ont un. C'est comme un lance-patate en fait, ça explose directement. Donc c'est de la logique. On est toujours en tête. Comme d'hab. Voilà. Lui j'y tire en même temps, mais ça l'a pas tué. Ah putain. Hop là, je l'ai fini. Elle a une carabine de merde, mais je l'ai fini. Oh non, elle avait pas rechargé. Mais elle a dû recharger, sérieusement. Ah, elle a dû recharger. C'est chiant quand elle recharge pas en fait. Dès que tu cours, elle recharge pas, donc ça fait perdre plus de temps.
Ils ont l'avantage en fait, ils en perdent du temps. Je sais pas si c'est vraiment de l'avantage, mais bon. Ah là, zéro charge, je cours plus, sinon je vais l'utiliser là derrière. Par contre, j'ai plus de vie, hein. Ils m'ont enlevé les vies. Ah, c'était logique. T'as un snipe, tu vises pas, j'aurais pas dû viser en fait. Sinon, faut que je me replanque comme tout à l'heure. Après, on a le pompe. Elle est touchée, elle est touchée. Elle ou il. Je sais pas. Non, j'ai. Non, vas-y. Il m'a enlevé de la vie, putain. Mais ouais, non, mais genre 300 mois, mais faut arrêter, les gars, ils sont où là? Le mec, tu mets une balle, il esquive. Attends, faut arrêter. C'est du n'importe quoi là. Genre, une seule balle, t'arrives pas à les avoir. Tu veux sur le toit? Ah, ils sont en avance là par contre. Ah, ils sont mauvais. Tu crois quoi? Tu crois que je t'ai pas vu toi? Allez. On pas chaud à faire ça en fait. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Regardez. Ah là je me tue tout seul aussi, hein. Je m'enlève la vie tout seul. Comme un blaireau. Voilà. Et la dernière, pour américain, le mec il y va direct là-bas. Voilà. En fait avec pour américain tu fais que un kill et c'est bon c'est gagné. C'est ça qui est un peu dommage. Dernière manche. Oh j'en ai tué 8. J'ai battu mon record de 6. Oh le 10 kill. Il nous a battu lui. Mais par contre il gagne pas beaucoup de thunes donc c'est l'avantage. Ah, par contre je trouve ça vraiment dommage. C'est qu'il reste voilà. On a toujours les mêmes armes. Puis le mec il reste trop côté collé. Ah ouais je sais pas si c'est l'avantage mais faut voir si c'est l'avantage sur les autres maps. Si on change vraiment les armes. Mais c'est cool, on va pas se plaindre. C'est une bonne activité, comme ça on gagne de la thune. Et on est tranquille. Par la suite, parce que c'est sûr, sur GTA, qu'on a pas beaucoup de thunes, c'est un peu embêtant. Voilà, ça me fait gagner de la thune, moi ça me fait plaisir. Par contre, ici c'est pas mal, c'est si tu détruis ces voitures. Tu vois, c'est un truc comme ça qu'il faut faire. Ou comme ça. Oh, elle est passée pas loin, seule. La prochaine, elle est bonne. J'avais dit, la prochaine était bonne. Hop, oh, ils sont en train de faire pause. Il y en a un qui fait pause, il va rage quitte. Soit qu'il rage quitte ou soit qu'il m'envoie un message. Il y a beaucoup de personnes, des fois, quand tu les tues, ils te rage. Mais je pense qu'il va se faire tuer avant. Voilà. Rage quitte. Une personne qui a ragé. Non, enfoiré. C'était sûr. Il y a beaucoup de personnes qui maintenant qui bougent plus donc à mon avis ils vont tous rager aussi. T'imagines tu fais ça les personnes tu les exploses en même temps. Par contre lui il s'est fait exploser, je crois qu'il est planqué. Ah ouais toi tu veux jouer comme ça. Fait mal à tout le monde lui. Ben genre mais ça par contre ça m'énerve. Le mec il reste trop en bas en fait, il a trouvé une planquette. C'est normal qu'il gagne. Moi je m'en fous, on a encore le pompe donc ça on a encore celui-là. Je sais pas comment ça s'appelle. Fusil. Impulsion. Ouais on l'avait sur quand t'installes un mode et je crois qu'on l'a eu aussi après sur GTA. En solo. Voilà on change d'arme aussi. Par contre il n'y a plus personne, c'est chiant. Les mecs ils restent trop là, restez pas trop là. En fait les mecs ils se planquent là-dedans. Pensez qu'ils gagnent le mec. En fait dès que tu te planques là-dedans t'es tranquille, personne de vous. Comme ça tu peux faire mal. Là par exemple l'autre il est planqué. Il bouge plus, il doit être planqué. Il bougeait plus.
Ils vont apparaître de côté, c'est même sûr. Ouais, de toute façon, chez eux, ils sont plus beaucoup, ils sont deux. Donc ça se comprend, tout le monde quitte, donc si ça quitte, bah voilà. Nous, après, on est pour rien. Après, tu peux même à deux, puis bien jouer. Hein. Ou mal jouer, ça dépend. Et si l'autre, c'est aussi, il se planque pas, il reste sur place sans rien faire. Ça les aide pas, bah voilà, il en a tué un. Voilà, il est encerclé de toute façon. Ah, ah il m'a tué. Je t'ai tué, tu m'as tué, mec. Bien joué. Je vais faire un truc quand ça va être le point américain. Je vais essayer de le garder dans la main puis faire le dernier team. La dernière team plus. Oui, victime. Hop là! Ah, j'aime pas ces termes. C'est quoi en fait ça? Le mousquet, le mousquet. J'aime pas trop. Toi, une seule balle, je t'ai mis, t'es mort. T'as fait deux direct. Je suis pas méchant, c'est pas vrai. Ouf, je me fais tirer dessus par derrière. Bon, lui, il était tué. Ah, toi, c'est le mec qui les retire dans la tête, c'est normal. Ah, bah, toi, ils sont tout seuls, on est plus qu'eux, mais bon. Ils ont toujours la même arme depuis tout à l'heure. Oh, genre. À la fin, je te parie, il m'a mis la balle. Ça a permis de changer d'arme. J'ai vu le nuage de fumée, ça lui a fait. Derrière toi, tu le vois pas, mec, ou quoi? Ils ont fond exprès, c'est pas possible. Ah, tu peux y aller au point. Oh, bah, c'est mieux. C'est mieux quand t'aimes pas l'arme. Moi, par exemple, j'aime pas l'arme du tout, je vais y aller au point. Oh, genre, il m'a mis un coup comme ça, je voulais y aller au point, j'avais dit. Ça a pas marché au point, ça m'énerve. En fait, ça m'a remis l'arme directement. Comme ça a changé. Là, il faut rester au point parce que si on reste au point, du coup, on est le point américain. Ou bien tout à l'heure, j'ai fait une kim, donc c'est pas. Victime, c'est pas grave. Oh, lui, il fait mal. Oh là, bah, il s'est fait tuer. Je sais pas où il était planqué, mais il était planqué, je pense. Putain, puis c'est chiant, des fois, t'apparais loin, donc du coup, tu fais courir, tu cours. Eh non, puis moi, je me trompe dans les touches. Là, ça se sent, ça joue Snape. Tu l'entends le bruit. La violence, j'y vais au flingue. Au point. Oh non, bien joué. Ouais, genre, le mec, il a eu le temps visé et tiré. Et en plus, il est tout seul. Et comme par hasard, ça va me foutre loin. Ah non, on a encore le pompe. Oh, ça va. Bon, les joue normal. C'est dommage, les mecs qui font des activités, ils quittent tous. La prochaine fois, j'en ferai une autre avec la team Derby si ça vous tente. Donc, un max de commentaires et de j'aime dans la vidéo. Comme ça, j'en fais une avec la team Derby. Comme ça, je sais que tout le monde va pas rager. C'est le plus facile parce que là, la force, ça commence à être pénible. On est dans une partie, lui s'il quitte, c'est mort, on a plus rien. Après, c'est des choses carrées, mais c'est pas grave. Pour ça qu'il faut le tuer tout de suite, comme ça il quitte pas. Ça, nous, on a une chance de gagner. Ah, j'ai fait la dernière, oui! Là, par contre, tout le monde va courir comme des gros cochons. Il va apparaître où? Ah, il est apparu par là. Ah, bien joué, les autres, ils y vont tous, les Lego. Ils savent très bien que c'est la dernière. Sauf qu'il est sur le toit, il nous fait mal. Oh là. Et puis il peut faire mal de tout le monde comme ça. Oui, j'ai fait la dernière. Oui. C'était prévu.
Bon, j'espère, les amis, cette activité vous a plu. N'oubliez pas de laisser un maximum de likes. Et comme ça, moi, je ferai une vidéo avec la team Derby. Donc, dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît ou pas. Et comme ça, on fera la suite avec la team Derby. Comme ça, bah, ça va être plus facile et tout le monde va être là. Donc, on va regarder le maximum de tubes qu'on a gagné. Donc, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous dis à très vite. Et ciao, bye bye. Salut tout le monde. Oh, c'est pas mal. On gagne pas mal de thunes. C'est cool. Allez, salut.